Salut tout le monde! Alors 10h30, il y a déjà de la propagande de partout, dans tous les modes, pardon. Bon là, ce sera plutôt cet après-midi. Le 19. Ah. Plus cet après-midi là aussi. J'en étais, mais ce matin j'étais déjà à 354. C'est quand même énorme, hein. Ah, je suis... Bon, j'ai l'impression que je crois que c'est la On en est blindé, hein, entre les citrons et les mandarines, il y a vraiment une poche. Alors, avant que je démarre la vidéo, hein, c'est un petit peu la foire. Là. Bon, voilà, ça c'est fait. La fréquence d'étalon du Québec. Bon, là, évidemment, 10h30 chez nous, ça fait, sauf erreur, 4h30 chez eux. Bon, là, on devine ce qu'ils sont en train de faire. Camping-car. On dirait qu'une boîte d'accord, ça mange un petit peu de réception. Ok. Alors je suis parti de son QSO parce que j'ai bien compris que il doit rester incognito. C'est pour ça que là pour le coup j'ai pas voulu que son QTH soit dans la vidéo.
Il y a certains pays où c'est plus ou moins compliqué. Là maintenant. C'est bon par rapport à hier, là j'ai pas de cuillère. Mais hier j'en avais 3. Là c'est correct. Bon, je vais pas avoir plus le temps aujourd'hui de regarder mes soucis de station. Bon, c'est pas grave. Ça se fera quand je pourrai. Petit test, pour l'instant j'ai pas encore entendu le Québec. On va bien voir. Attention, 9 bravo Charlie 555. Attention, 9 bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui t'appelle. Oh putain, et ça passe! Ah bah ça va. Et toi, malgré ton message là sur Messenger, toi, ça passe quand même, la porte est ouverte. Hein. Elle est entrouverte, on va dire. Parce que bon, c'est assez QRP de mon côté, mais ça passe. Oh putain. 7. Et Santiago 6 et demi 7 que tu m'es arrivé là, toi c'est monté d'un coup. Cécile, ça y est, là, il y a eu un courant d'air, la porte est grande ouverte. Et autrement, tu verras ça en début de vidéo. J'ai entendu le Maroc, j'ai entendu pas mal d'endroits et tout ça. Ça c'est pour ce matin. Tout à l'heure, il y avait New York, j'ai cru entendre de la Guadeloupe ou la Réunion, je sais plus exactement. D'après l'accent, ça venait de ce côté-là. J'ai pas trop fait gaffe à l'indicatif, mais c'était un athée. Bon, ça, par contre, ok, c'est fait. qu'est-ce que j'ai entendu d'autre aussi? Le Brésil. Tu sais, toujours le même, là, qui sifflote, là, en fréquence. Donc là j'ai vu que c'était le Brésil qui passait. Et là, suite à ton message, oh, je me suis là il me cherche. j'ai tout stoppé là de ce que j'étais en train de faire là sur le PC. Je vais prendre le micro, je dis on va voir ça si ça passe pas. Eh ben si, ça passe. Wow, tous un coup, ça ira mieux. T'as un chat dans la gorge là qui est en train de gratouiller. Là, j'ai vu que t'as eu la gorge enrouée. Oui, on est vendredi, donc de ton côté, pas de vidéo. Je sais bien. Ah, ça fait un petit peu de yo-yo, là. Ah, ça me dérange pas quand tu passes fort. Hein. C'est... Alors, attends, je suis en train de chercher le WebSDR d'Ottawa.
que j'ai une oreille en même temps de ce côté-là. Voilà, ok. Bon, eh bien non. Là non plus aujourd'hui, je passe pas dedans. C'est important, 27625 d'un côté, 27625 de l'autre. Si, si, je suis pourtant bien dessus. Ouais, attends, alors, de ton côté, comment c'est la météo? Quelle température? Tout? Est-ce que tu peux aller à la plage aujourd'hui? Oh, ça, c'est pas bon pour les inondations, ça. Oh là, il y en a qui vont avoir les pieds dans l'eau. Bon, je viens de regarder de mon côté 16 degrés. 16. Et le soleil, eh bien, vu le soleil qu'il y a, tu peux aller à la plage. Ça, c'est sûr. C'est un grand beau soleil. Mais bon, je préférais être en fréquence là, faire ce que j'ai à faire là sur l'ordinateur et tout, ça, en préparatif, on va dire. Tu sais, les programmations journalières que tu vois passer là tous les jours. Bon, je préfère m'occuper de ça plutôt que d'aller voir mon problème d'antenne. Pourtant, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Hein. Ah, j'aime pas ça. Ouais, c'est nuageux. J'ai zappé la température. Tu me l'as pourtant donné, la température. Ouais, c'est nuageux. Ouais, bah oui, puisque en plus de ça, tu m'as dit tout à l'heure que hier soir il a plu et tout ça. Ouais, avec la neige qui est tombée là dernièrement, ça va faire beaucoup d'eau, ça. Ouais, d'accord, ouais. T'as la vache. C'est, ouais. Là, c'est sûr que là, ça va inonder là de ton côté, ouais. Tu vas avoir les pieds dans l'eau, c'est sûr, oui. Ouais, hop là, c'est remonté d'un coup. Attends, je suis en train de faire le con de mon côté. Ouais, voilà. Ouais, tu vas avoir les pieds dans l'eau. Surtout que t'es pas loin des lacs, ceci, cela. C'est. Comment dire? Ah ben, ça va être l'occasion de laver la voiture. Eh oui, avec tous les produits que vous utilisez de votre côté pour dégeler les routes. Avoir les pieds dans l'eau comme ça va pouvoir laver là, tout le dessous, tout le bas de caisse de la voiture. Attends 2 secondes, je réponds à une connerie là sur le téléphone. Là, je t'écoute. Tiens, regarde s'il n'y a pas du monde derrière la porte. Oh, il y a de la vache folle là qui passe. Ouais, elle a des flatulences, celle-là. Voilà. D'ailleurs, bon, je sais que là, t'as pas eu le temps de regarder. Je me suis un petit peu amusé là sur la vidéo d'hier. Tu verras ça. Eh, hey, jolie la bouteille au fait, hein.
Sur ta vidéo d'hier, je me suis un petit peu amusé à quelques endroits. Et autrement, je disais, sympa la bouteille que tu as. Ah ouais, d'accord. J'ai l'impression que de ton côté, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont. Il y a beaucoup de sortes de crèmes de whisky, hein, j'ai l'impression de ton côté. Hein. Non, mais c'est un troupeau de vaches folles. Ah vache, désolé, mais j'ai un troupeau de vaches folles là qui est passé, là, qui ont déféqué partout. On s'est payé. Non, par contre, attends, je vais essayer de redevenir sérieux là, 30 secondes. Par contre, attends, voilà, je vais laisser passer. Ah zut! Bon, c'est bon là, ça suffit là. Ouais, alors par contre, moi j'ai remarqué un truc. J'ai écouté de toute façon ta vidéo là ce matin et tout ça. J'ai vu le constat que tu as fait là par rapport à ces bruits-là. Eh bien, je me suis fait le même constat pour voir aussi là quand ça passe entre le Québec et la France. Ça fait un moment que je vais remarquer ça déjà sur le web SDR d'Ottawa. Quand j'entends de mon côté, je l'entends aussi du tien. Et là, je me suis, oh là, là, il y a un signe. Il y a un signe, il y a un signe. Et jusqu'à maintenant, ben, le signe est bon. C'est quand la propague est ailleurs, eh bien, ces bruits-là, je les entends pas. Quand la propague est sur, je sais pas, sur l'Espagne, tout ça, l'Italie, les autres pays d'Europe, et ainsi de suite, ces bruits-là, je les entends pas. C'est quand c'est de ton côté que j'entends ces bruits. On dirait des flatulences. C'est quand c'est de ton côté que j'entends ça, quoi. Ah la vache, autant ce matin, excuse-moi, mais là j'ai pas du tout Roger, autant ce matin je vais rien comme QRM, c'était propre, comme tu le verras dans le début là, de ma vidéo d'aujourd'hui, autant là cet après-midi, là j'ai trois QRM et tu mets, ah, j'entends, là c'est un martien là, qui est passé là, là j'ai, autant cet après-midi là, ben, comme hier, pareil, trois QRM et là tu es arrivé pile à la limite. Ce qui fait que, bah, du coup, même avec les filtres et tout, là, j'ai pas du tout Roger. Là, j'étais à 7, là, je suis à 6. Oh la vache. Alors là, j'avais poussé le filtre, le DSP à 7 pour redescendre à 6 pour arriver à te sortir. J'en ai eu une partie et puis en suivant, là, j'ai eu ces flatulences qui sont arrivées. Alors ça, par contre, là, ces conneries-là, ça passe fort. Oh nom de Dieu. Parce que là, c'est carrément écrasé. Ouais, j'ai compris. C'est compliqué là. C'est compliqué pour arriver à sortir quelque chose. D'ici quelques minutes, d'ici 30 minutes, on devrait avoir la Suisse qui devrait passer là sur la fréquence. J'ai eu un message à tout à l'heure de quelqu'un, on s'est mis d'accord.
Je lui ai donné rendez-vous vers 15h30, là, justement, là, sur la fréquence, là, pour voir si ça passe entre la Suisse, la France, le Québec. On verra bien. Là, t'es à l'intérieur, là. Là, t'es pas dehors, là, t'es à l'intérieur. J'ai pas tout compris, hein. J'ai pas tout compris. Ok, d'accord, ok. T'as un ami qui va venir au QRA. Oui, ben, si t'es pas en fréquence, tu seras pas en fréquence, c'est tout, hein, c'est pas grave, ça. Il y a d'autres priorités, hein. De toute façon, je serai derrière. Si j'entends la Suisse passer, ben, comme d'autres stations, bien sûr, comme d'autres stations de la 14, tout ça, si j'entends passer dessus que t'es pas là, je prendrai le micro, oui, il n'y a pas de problème. Alors attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Tu parlais de vernis. Le seul vernis que je connais, c'est le vernis que les YL se mettent sur les ongles. Mais je suis pas sûr d'avoir compris du tout là. Ça doit être sur des contacts. Voilà, t'es complètement parti là avec la propague. Non, je plaisantais au niveau du vernis. Tu veux mettre du vernis sur toutes les voisures que t'as là, que t'as chez toi là, au niveau du bas. Ouais, vu les photos que tu m'as déjà montrées là il y a quelques temps, je pense que ça doit être ça. Bingo. Ça marche. Au niveau crème de whisky comme ça, tu as combien de sortes chez toi? Parce que j'ai l'impression que tu tiens un bar avec ça. Moi. Ouf, trop petit. Ah, c'est pareil. J'ai aussi du mal à te sortir par moment. Hein. Et toi là aujourd'hui aussi, là, j'ai pourtant le web SDR à côté, mais là aujourd'hui aussi, je l'ai allumé pour rien, j'ai l'impression. Et pourtant, du côté des 40 canaux, alors là, tous les canaux sont pris. D'ailleurs, c'est bien simple. Eh bien oui, puisque jusqu'au 27, allez, 27555, oh oui, ouais, tout, à partir du 27555, et tout ce qu'il y a en dessous, là, surtout du côté des 40 canaux homologués, c'est pris partout. Il y a qu'ici. Mais elle est surtout en bas, la propague. Mais donc ça veut dire que qu'elle sera ici un peu plus tard dans l'après-midi. Parce que ça aussi, hein, j'ai déjà remarqué depuis longtemps, la propague, elle arrive d'en bas, elle monte, elle passe les bandes de fréquence, elle monte. Et quand tu l'as plein pot sur les 40 canaux homologués, ça arrive doucement après sur les sups. C'est bien souvent, c'est pas à chaque fois comme ça, mais bien souvent j'ai remarqué ça, quoi. Et c'est vrai que quand on fouille dans mes vidéos, on voit que plusieurs fois je m'abuse à ça. Je suis du côté des 40 canaux, alors là c'est à fond, ça passe de partout. J'arrive sur les sups, ben c'est moyen. Et ben je crois qu'hier,
Hier, sur ma vidéo d'hier, je crois que oui, à un moment donné, je suis descendu là au rez-de-chaussée, sur les 40 canons. Il y avait de la propague de partout. Je suis remonté après au premier étage, là sur les sup, et c'était un peu plus calme. Si j'ai bien compris, tu dois QRT maintenant, c'est ça? Tu dois passer en QRT? Ok, bon, je vois que tu m'entends quand même assez. Aïe! Putain, mais là, je vais me prendre une châtaigne avec le micro, avec l'accroche-micro d'ailleurs, enfin, je rate ça. Tout part en sucette là chez moi. Putain la vache! Oh, désolé pour le gros mot. Non, mais c'est vrai que là j'ai quelques soucis sur la station. Et puis comme je préfère faire le reste à la place, le reste pour les autres à la place de m'occuper mes affaires perso. D'arriver à un moment donné, je vais plus avoir le choix. Il va falloir que je remette un petit peu d'ordre dans tout ça chez moi, quoi, de mon côté. Le signal a descendu à 3, ce qui fait que, c'est-à-dire au même niveau que mon QRM que j'ai là, et j'ai pas tout UQSL du tout, hein. Ah ben t'as de la chance parce que, ou alors, attends, je regarde à moins que tu me l'aies mis en même temps sur Messenger. Non, non, non. Je regardais si j'avais un nouveau message de toi sur Messenger, mais non, non, non. On sait jamais. Tu aurais pu me dire ce que tu étais en train de me dire de ce côté-là. Là, c'est. Oui, ça fait le yo-yo, là, sur cette fréquence-là aujourd'hui. Ça fait le yo-yo. Et j'entends aucun autre appel derrière. Christian, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. Du moins, je pense pas l'avoir entendu aujourd'hui. Non, je crois pas, non. Ouais, non, non. Bah, de toute façon, je l'entendrai. Même s'il est en directif, je l'entends quand même au cuir. Hein. C'est pour ça, oui. Alors, attends, par contre, que je regarde un truc. Alors, du côté de tes vidéos, que je regarde ça. Non, sur la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de message. Mais tu as déjà. Non, il n'y a pas encore de message. Sur la vidéo d'hier. Ok. Sur la vidéo d'hier. Non, pas d'hier. Sur la vidéo de mercredi, Gilles, tu as des messages. Tu as Laurent là qui t'a mis des messages. Ouais, c'est très QRP. Ouais. Attends, ouais, je laisse passer. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, voilà, ok. Sur la vidéo de mercredi, tu as des messages de Laurent. Et derrière. Je suis comment là? Position 5. Il y a la veille, la veille, le vieux,
Je crois que c'est lui que j'entends derrière. Pas évident à faire des cuisses comme ça, quand c'est QRP comme ça. Mais bon, ça fait partie de la radio et faut jouer avec. Ça fait un petit peu aquarium au niveau du son. Hein. Je suis vraiment limite là. Sur le filtrage entre trop et pas assez. Allez, il m'a semblé l'entendre Pascal très QRP, les 73-51 à lui. Voilà, ben bon, j'imagine bien que là il m'entendra pas ou juste à peine. Mais là, je l'ai vraiment deviné dans le lointain. Hein. Ouais, affirmatif, ouais. C'est vrai que là, c'est... On a connu mieux. On a connu mieux, oui. Bon alors, les tanans du Québec, vous êtes où ? Les stations de Montréal, Ottawa, Gatineau, toute l'équipe. Vous êtes où les stations là? Du côté français, on aimerait bien vous entendre. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe à travers là, mais je sais pas. Si c'est le cas, là, c'est complètement noyé. Là, comme j'ai tout à l'heure, j'ai 3 points de QRM à peu près. C'est complètement noyé là derrière. Bon, histoire de rigoler un petit peu. En principe, en tant que mec, hein, faire deux choses à la fois, ça le fait pas longtemps, ou ça le fait pas du tout. Alors, je suis en QSO, et j'essaie, en même temps, en parallèle, de faire les programmations de QSO journalier là sur les réseaux sociaux. Je ne promets pas le résultat. On est le 10 février,
À voir ce jour-là ce que ça donne. On est le 10 février. Oui, non, 10 février, c'est aujourd'hui. Alors déjà là, ça commence à bugger. Je suis en train de faire la programmation pour le 26 février. Brésil? Oui, je crois. On n'entend pas particulièrement d'YL de ce côté-là. Quoi. Bon, non, ça va vraiment être une sur ou deux dans l'année. Quoi. Il est passé où? Il est passé où? Il est passé où? Ah non, c'est... Il est où? 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 Bon, je me rends compte que la caméra s'était éteinte automatiquement. Alors, j'ai lu un truc sur ce fameux compte à rebours là qu'il y a sur ces appareils sur internet. Certains arrivent à le faire sauter ça. Mais là c'est du domaine du hacking. Hein. Donc très peu pour moi. Hein. T'es passé en QRT ou t'es toujours là? J'entends parler pourtant derrière. T'es. Ah, j'ai encore baissé un peu plus le web SDR de ta voix. Et il est où? Il est où? Il est où? Alors, attention, 14 Kilomac 33 09 Isabelle pour 14 Kilomac 33 01 Rémi qui t'appelle. Bon, Isabelle, là je viens de perdre Gilles. Alors soit la propague a tourné, soit chez lui quelqu'un est arrivé, là je sais pas. Je suis en pointillé, on va dire, là, derrière. Message sur Messenger. Attention, 14 km 33 09 pour 14 km 33 01. Attention, 9, bravo Charlie, 555 pour 14 km 33 01. Si t'as QRT, dis-le. Oui Isabelle, effectivement, c'est vrai que aujourd'hui c'est très QRP. Hein. C'est moyen aussi. Hein. D'ailleurs, là, j'ai entamé une nouvelle vidéo là, avec Gilles. Et j'ai un QRM de 3 là, cet après-midi, ben, comme hier. Et il m'arrivait limite, hein, c'était 3, 4, j'ai eu des pointes à 7, 8. Et j'ai bien souvent, c'est autour du 3, c'est-à-dire limite QRM. Et là, même avec des filtres et tout, c'est pas évident. Ben. Je viens de répondre justement à Isabelle là, sur Messenger. Et du coup, je n'entends pas. Elle m'entend très QRP. Bon, ben, je crois que je vais faire une pause à la vidéo. Et on verra tout à l'heure. Dernier petit essai. Attention, 9, bravo Charlie, 555 pour 14 km 33 01. Rémi qui appelle. Un petit bip, là. Bon. Là, je suis fixé. À tout à l'heure, peut-être.
Bon, info recueillie, apparemment la propague a fait un 180 degrés, puisque ce serait les pays de l'Est qui passeraient. Donc, ben, il est peut-être toujours derrière, Gilles, hein. Mais... Tout pour nous. Eh bien, tout dépend où on est. Parce que je vois, c'est quelqu'un d'autre qui est sur la Gironde. Justement, Isabelle, qui m'a indiqué que ça passait là du côté de l'Est. Alors que ce que j'entends, c'est plus Brésil ou ces coins-là. Ah ben alors lui, il donne l'impression de quelqu'un qui a un cancer de la gorge. Tiens, on va aller voir. On dirait plus l'Europe, hein, vu l'accent. Je vais en avoir le cœur net. Wow. L 14 km 3309 entend la Kabylistan si. Russie, Afghanistan, moi les USA. Ah oui, ça part tout azimut. Le petit truc magique pour voir s'il réagit. Et il est où? Ça mord pas, hein. Non. Hop, Sud-Américain, qui a entendu là le temps d'une seconde. Grosse fatigue.
CQO, CQO, oups. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Bon, ben c'est ça qui me répond. Attention la Suisse, attention la Suisse pour le sud-ouest France qui appelle. Attention la Suisse, attention la Suisse pour 14 km 3301 opérateur Remy qui lance appel depuis le sud-ouest France du côté de Saint-Émilion. Attention la Suisse pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. À côté réglementation, là aussi c'est pas évident chez eux. On est quand même privilégié là sur la France. Quoique au Québec aussi. Hein. Ils le sont même encore plus que chez nous. Attention la Suisse pour 14 km, 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Vous avez vu cette observation justement qu'on faisait pour ces bruits. Tac, ça passe ici, tac, ça passe là-bas. Attention, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui appelle. Aïe. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi là j'ai du boulot au QRA. À plus tard. Ah oui, on vient de m'avertir. Mais je reconnais. On entend des QSO de 9 Bravo Charlie 555 Gilles. Non, pas du tout, pas du tout. De toute façon, c'est constable. Donc, d'accord. Bon, ben, j'ai coupé le WebS d'ailleurs, c'est pas la peine. Ah,
Ok Gilles, d'accord, ça marche. Je suis sur le 27-310, enfin un chouïa en dessous. Et il y a le Québec qui passe de ce côté-là. Sur le 27-625, j'ai entendu plus personne, plus rien. Apparemment, la propague avait tourné vers l'est, d'après les messages que j'ai eus. Et là, sur le 27-310, il y a le Québec dessus. 27-310 et tu clarifies vers la gauche. Là ça y va, ça y va. Ouais, en effet, donc 340 mètres d'altitude, là, donc localement, ça devrait être bon, là, mais côté des X, on verra bien qu'est-ce que ça va donner du côté des X en vertical, là, c'est sûr que ce ne sera pas une directive, là. Donc ça risque peut-être d'être un peu moins fort, là, mais quand même, il y a des gens, qui font des X qui sont uniquement verticales, qui ça fonctionne quand même relativement bien. Justement, là, la station, là, voilà, 27-310. Alors lui, il était en verticale, là. Alors je l'entendais quand même relativement bien. Ça passera plus. Ils vont nous manquer, le Québec. Faudra attendre la prochaine saison. Et quoique. Il n'y aura peut-être pas si longtemps que ça à attendre. Mais bon, tant que ça passe, on en profite. Petit clin d'œil, vous voyez, il est largement possible de faire du DX du côté des 40 canaux. Ça marche aussi.
Petit clin d'œil en ceux qui pestent les 40 canaux, qui les font passer pour le caniveau, quoi. pour dire les choses en face dans la blagounette. Qui se met en grève. Je trouve qu'il y a une montée de tosse. Il y en a combien des montées de tension? Tellement bien QSO tous les deux que j'ai même pas envie. Alors c'est quasi par-ci par-là, donc je m'entends pas d'une façon quotidienne là. Alors voilà, alors c'est un de temps en temps seulement, Stéphane, tu es elle. Mais par contre, je bois du thé là, à l'occasion aussi là. Alors hier soir, j'ai pris mon thé. Et puis, là, ce qui concerne le café, c'est la même chose. J'en prends à l'occasion, je te parle de QSL. Ils sont tellement bien QSO tous les deux que j'ai même pas envie de les déranger en lançant un break. Oui, les Anglais, eux, c'est tout ce qu'ils boivent, effectivement, là, la fameuse tradition de l'âge, je sais, là. Ben, écoute. J'en bois pas tellement non plus, Stéphane, hein, c'est comme je te disais, là, c'est à l'occasion aussi, je sais, là. Alors, je connais parfois plusieurs, sur une longue période de temps, sans boire de café, je sais, là. Et hier soir, j'ai pris mon thé hier soir, là, moi. J'étais aux environs de 8h30, alors j'ai pris mon thé, un thé noir avec un petit biscuit, bon. Ça clique, ça clique derrière. Je crois que c'est un peu exagéré tout ça là.
total, là, je ne regarderai pas ça, là, ça ne m'intéresse pas. Et puis une chose qui est certaine, Stéphane, le règne du roi Charles III ne sera jamais aussi long que celle du gouvernement, puisque là, il est en vue, là, le roi Charles, il a refait un règne de 70 ans, là, ça doit. Alors, 27-310, d'accord. Voilà, il fait une pause. Hein. Il a son XYL qui travaille à la maison aujourd'hui. Télétravail. Et elle est dans le bureau d'à côté. Vulgairement, ça la fait chier à chaque fois quand il est au micro. Quoi. Il fait trop de bruit. Quoi. Et oui, le son sortant de la radio, de la CB, ça porte hyper loin. Quoi. Ça traverse les cloisons. Ça devient... Il est où? Il a dû rigoler. Là. Il est où? Et fait une pause, comme c'est là. Bon, ok, je continue à bosser de mon côté, moi. S'amuser, c'est bien beau, mais à un moment donné, ben, faut se remettre au travail.